C'est bien, Lou. Super. Excellent. Oh, je vais zoomer ton dos. Vas-y. Mamma mia. Allez. Sac, sac, sac. Bien. Là, ça bosse dur. Excellent. Oh putain. Tu peux parler ou quoi? Bien sûr. Super, c'est super. Toi aussi, hein, putain, ça sèche. Ça sèche hyper fort. C'est bon, c'est bon. Oh, tu tiens le bon bout aussi. Ouais, c'est bon ça. Oh la vache. Impressionnant. Allez, vas-y. Ouais, c'est bon ça. Vas-y, vas-y, vas-y. Yes. Super. Franchement. La vache. Comme ça. Yes. Une. Allez. Deux. Bien. Fais une boule avec ton corps. Tes genoux vers toi. Voilà. Trois. Voilà. Toujours comme ça, tes genoux. Quatre. C'est super, l'eau. Allez, remonte. Garde bien tes genoux. Voilà. Allez, vas-y, monte. Monte. Ah. Allez, l'eau. Yes. Encore un petit bout, mon pote. Allez. Allez, allez, hop! Super, super. Il est terrible celui-là. Hein? Tu m'étonnes. C'est au poids de corps, mais c'est assez monstrueux. C'est différent. Traction en boule. Et je peux vous promettre que c'est loin d'être facile. Ça demande un contrôle des abdominaux et toute la puissance des dorsaux. Alors, allez, c'est vas-y. Allez, vas-y. Allez, vas-y, 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 vas-y. Ah, ça pique, hein? Mais c'est bon quand même. Ah, j'imagine. C'est terrible. Ah, tu terrible. m'étonnes. À rajouter comme exercice. Ouais. Sur À physique. refaire, à refaire. À refaire, à refaire. Ah. Des pompes au pied de la station. Ces poignées sont soudées à la base. Voilà, elles sont très pratiques, très confortables. Et elles permettent vraiment d'aller loin dans l'effort. Laurent. Toujours aussi gracieux dans son mouvement. Le corps bien tendu, parfait. En tout cas, je peux vous assurer une chose, c'est qu'il fait très lourd ici. L'air, il est vraiment. Je vais pas dire irrespirable, mais il fait très chaud. Qu'on a du mal à reprendre son souffle. C'est très bien, Laurent. Très bien. Très très bien. Parfait. Yes. Qu'on voit un peu tes triceps qui bossent par derrière. Yes! Voyez les triceps? Regardez. Regardez comment ça travaille bien le triceps. On voit sa veine. Regardez. La titine. Oh la vache. Ça c'est du beau boulot. Très très bon boulot. Laurent, t'assures comme un dieu, Laurent. Oui, je crois combien t'en as fait, mais t'en as fait un paquet, hein? Allez, c'est bien. T'as compté, non? Je sais pas, une vingtaine. Oh! J'ai arrêté de compter à 20. Donc, les pompes sur un socle fixe. L'avantage, c'est que, comme j'expliquais à Seb juste avant, c'est que, contrairement aux haltères posés à terre ou
au perfect push-up, on a une position vraiment très stable, ce qui fait que on n'a pas peur de faire un mauvais mouvement, d'avoir la main qui glisse, de se tordre le poignet, ce qui fait qu'on peut enchaîner des pompes en série et sans risquer de se blesser. Voilà. Et bien travailler le mouvement comme il faut. Donc là on voit bien le boulot des tris, impressionnant. Comme quoi les pompes, hein, c'est le top. Hein. Avec les tractions, il n'y a pas besoin de beaucoup d'exercices pour faire un mec costaud. Donc là, on a des belles pompes bien droites, bien stabilisées, bien contrôlées. On voit bien le contrôle de. On voit bien le contrôle. On voit le bas du dos qui se contracte. Voilà, on voit qu'il contrôle bien son bassin. Voilà, impeccable. Impeccable. Ouh, superbe. Voilà. Superbe. Voilà. Si ma position est pas bien, tu me dis. Ton corps il doit être bien droit, Laurent. Là, c'est bon. Des tractions horizontales au poids de corps. Bah, qui remplace vraiment aisément le tirage à la poulie basse. Mine de rien, c'est des tractions qui sont vraiment difficiles de par le fait qu'il faut penser à garder le corps bien droit. C'est vraiment pas une partie de plaisir. Voilà, faut bien inspirer et souffler. Certains font l'inverse, mais je trouve qu'il est préférable d'inspirer en montant, en gonflant la cage thoracique, en tirant bien les omoplates vers l'arrière, ça redresse le buste. Laurent est parfait là. Voilà. Évidemment, c'est un mouvement qui travaille également bien les biceps. Hein. Ça, faut pas rêver. Hein. Mais il faut penser à tirer avec son dos. Tout dépend de la prise. Ici, c'est Laurent, il a pris une prise neutre. Et après, on mettra la barre, on changera. Allez mon loup, c'est bien, t'as gardé le corps bien droit, c'est parfait. Hein. Vous voyez, comme aux pompes, le corps doit rester rigide. Yes, loup, c'est du bon boulot ça. Très très bien. Parfait. Super. Super, super. J'aime bien quand tu danses comme ça à la fin. À l'acte mauvais, mauvais. Si je recule un peu le banc, tu le dis, parce que comme t'es vachement plus grand que moi. Voilà, impeccable. Oh, c'est bien. Okay. Voilà. Parfait. Il est parfait. Contrôle bien le mouvement. Essayez de vous montrer le travail de son dos. C'est pas évident. Voilà. Allez, c'est bon. C'est bien. Toujours en gardant cette position bien rectiligne. Hein. Voilà. Tout en tension. Hein. Voilà, comme tous nos exercices, tout en concentration. Allez, c'est vas-y, hein. Encore une, vas-y. Vas-y, 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 vas-y. Voilà. Ouais, vous en faites 7 ou 8 et puis vous êtes cramé. Hein. Il n'y a pas besoin d'en faire plus, hein. C'est tellement intense. C'est tellement intense qu'il a failli tomber. C'est tellement intense, c'est vrai. C'est bon. Alors, Laurent prend sa position pour des pompes un peu différentes. Il n'utilise maintenant plus les poignées de la machine, du socle, mais des poignées comme ceci, qu'on trouve très aisément chez Decathlon ou Intersport, pour un modeste prix. Et c'est vachement pratique parce qu'on peut jouer, contrairement à la machine, sur l'écartement des mains. Position des mains, tout quoi. J'en suis pas encore remis. Très bien, très très bien. Toujours le corps bien droit. C'est bien. Oui. Oui. Voyez ici, regardez. Regardez comme il sèche là. Regardez ça. Monstrueux. C'est bien, c'est bien, c'est très bien. Il y a toujours son corps bien rigide, vous voyez. De toute façon, quand on commence à creuser, c'est vraiment que ça devient vraiment très difficile, quoi. C'est bien, Laurent. Très
très bel effort. Comme d'hab. Ouais, c'est bien l'eau. Pousse, pousse. Allez, maximum. Allez, pense qu'à ça, pense qu'à ça. Allez, c'est bon là. Allez, tu la tiens, tu la tiens. Allez. Ouais, c'est bien. Excellent. T'en as encore fait un sacré paquet. Super. Donc il se met en position pour une série de deux pompes avec des supports amovibles. On va appeler ça comme ça. Qui permettent de modifier l'angle, hein, contrairement à un point fixe. Voilà, mais Seb l'a dit, donc genre on se répète, hein, au final. Et bon, en tout cas c'est un très bon exercice, hein. Pareil, hein. Mine de rien, ça permet aussi de bosser les abdos, parce que c'est en contrôle, et puis les fessiers, hein, vous voyez que les fessiers de Seb sont contractés, hein. Donc au final c'est pas mal. Ça fait des beaux culs pour les demoiselles, hein, ce qui est pas négligeable. Vu que l'été arrive, en maillot de bain ça pète. Voilà. Allez Seb, hein. Allez, vas-y. Vas-y. Ouais, c'est bien. Super. Eh ouais. Voilà. Big smile. Ouais. Et Seb il sèche bien aussi, hein. Putain, là, on commence à bien voir les abdos. J'ai perdu une paire de Ouais. Il y en a encore quelques-uns à perdre, mais... Ouais, mais ça va bien. Ah, ça y est, là. Progressivement. La sèche est bien attaquée, là. Pas trop brutal. Impeccable. C'est clair. Et voilà. Magnifique. Comme vous pouvez le remarquer, on a juste posé une barre longue sur les poignées à dips pour vraiment changer l'angle de travail. Alors là, on voit nettement la différence. Ici, vous travaillez vraiment le haut du dos. Je dirais beaucoup l'arrière des épaules. Vous voyez, en fait, votre bras ne dépasse plus le long du corps, ce qui travaillait bien les dorsaux, mais il s'écarte du corps lors du tirage. Vous voyez, ce qui fait que ça travaille très bien l'arrière des épaules et les trapèzes, les rhomboïdes, tous ces petits muscles. Très bon travail, Laurent. Corps bien droit, parfait. Vous voyez, un petit meuble, il y en a assez. Les jambes tendues. Ouais, pourquoi je vous dis d'inspirer dans la montée? On voit tout de suite la différence quand il inspire. Regardez sa cage, elle gonfle bien et il redresse ses omoplates au maximum. Voilà, il détend ses bras au max, il inspire, il gonfle, il serre ses omoplates. Voilà, c'est parfait. Beau boulot, mec. Elles sont dures, hein. Ouais, c'est dur. La chaleur, c'est dur. Ouais, qu'il devient bio, hein. Fait ce qu'on peut, hein. On installe le blanc. Voilà. C'est aussi ça, hein, pour qu'on s'entraîne à deux. Parce que ça fait gagner un petit peu de temps au niveau de l'installation. Pour bien se positionner. Et puis c'est toujours motivant. Hein, parce que quand on a deux, la dernière rep quand on est seul on l'abandonne. Mais quand on est à deux, bah, ça donne la niaque. On a envie toujours en faire une de plus que l'autre. Donc moi je vous conseille. Hein, c'est de trouver votre pote, votre meilleur pote, de le motiver et de vous entraîner avec lui, hein, comme je fais avec Seb. Et du coup, on a la niaque. Allez Seb, vas-y. Ah là, encore une. T'en as encore une, là. T'en as encore une. Vas-y, allez. Allez. Encore. Ouais, c'est très bien. Voilà, jusqu'au bout de l'exercice. Jusqu'au bout de l'exercice. Les petits gants, c'est toujours bien, petits gants manutention. Ouais. Surtout sur des barres filetées. Enfin, faut avoir votre petit matos personnel. Quoi. Ouais. Hein. Mais elles sont pas mal non plus, hein. C'est totalement différent. On pourrait même essayer après une prise en supination. On va vous faire ça. C'est parti pour les pompes. Avec les poignées dont je vous parlais tout à l'heure. Vous voyez, il a pris une prise de la sorte. Voilà, une prise bien serrée. Ni trop serrée, ni trop large, en fait. Hein. Trop serré, vous allez vous péter les poignets. Et trop large, ça tape dans les épaules. Et là, c'est bien. Voilà, le corps bien droit. Voilà, bien linéaire. Voilà. Lève bien ton culot.
Voilà, bien droit. Voilà. Vous voyez, voilà son triceps que j'aime. On doit très bien le voir. Ah ouais. C'est mon petit coup de cœur, ça. Ça va me prendre de dessus. Mine de rien, les pompes, ah ben, le dos bosse aussi, hein, faut pas rêver. Hein. Il y a un travail des omoplates, donc il y a un travail des trapèzes. Hein. Des abdominaux en statique. Cross-pol, on cross-pol. Pompe, 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 c'est bien, c'est bon, c'est bien, c'est bien. Petite dernière pour la route. Gueule s'il faut. Il n'y a pas de souci, on est tranquille ici. Allez, hop, pousse, souffle, souffle, on souffle. Ouais, c'est bien. Beau boulot. J'en suis pour lui, la vérité. Désolé, je peux pas suer. Ça fait 2 mois que j'ai pas mangé de sel. Ah, alors, il n'y a plus de sueur. moi, je suis trempé. Je suis trempé, lui, il suit plus. Je suis plus une goutte, même c'est si génial. J'en suis. C'est génial. Ça, t'as bien séché. Hein. Ah ouais. Ouais. Non, oui. Ouais, on voit bien ces fameux dentelés, même, là. Ouais, c'est vraiment... C'est parti. Pour les... Des pompes avec une prise plus serrée, hein. Qu'on peut faire à plat, mais vous l'avez vu dans une vidéo qu'on avait déjà passée, hein, avec les pompes en as de pique, hein. Mais là c'est à peu près la même chose, sauf qu'on a pris des poignées de pump, ce qui fait que du coup l'avantage c'est que le poignet, je vais essayer de vous montrer, c'est que le poignet est beaucoup moins traumatisé. Ouais, on a une prise plus assurée, du coup on gagne en intensité aussi, puisque pendant qu'on se concentre pas sur pas se faire mal au poignet, ben, on peut se concentrer sur les pecs, hein. Voilà, et sur les tris, hein, qui bossent très fort, hein. Qui bossent très fort. Voilà. Vas-y, Sèvres, respire, hein. Vas-y, respire, allez, fonce. Allez, ouais, elle est belle celle-là. Ah, c'est dur. C'est dur. Voilà. Très dur mais très bon. Laurent s'installe. Normalement, ça devrait être bon pour l'écart. Tu remontes ton corps. Voilà, t'es comme ça tout le long, Laurent. Voilà. Alors remarquez ici. Pareil, on a laissé la barre, hein, sur les poignets à dips. La prise n'est plus en prise neutre. Ok. N'est plus en prise en pronation. Mais bien en supination. C'est-à-dire les paumes de main vers le visage. Voilà. Ce qui augmente vraiment le travail des biceps. Comme vous pouvez le constater, les biceps sont très sollicités lors de cet exercice. Voilà. Évidemment, le dos travaille aussi, mais sous un angle différent. Peut-être plus les dorsaux que les deux exercices de tout à l'heure, parce que ici, son coude se déplace le long de son corps. Vous voyez? Donc son dorsal se contracte. Voilà, il n'y a plus de force comme il dit. Ah, faut que tu m'en refasses une. Il y avait des trucs bizarres dans l'épaule. Sérieux. Ah, ok, ça marche. Il va attendre que tu sois relevé quand même. C'est les avant-bras qui sont... C'est dur. Donc installation du vent, comme d'hab. À la bonne distance, hein, pour faire un exercice correct. Voilà, hein, donc Seb s'installe et puis c'est parti. Hein. Voilà, donc avec une prise un tout petit peu plus large que moi pour voir... Enfin, un peu en même temps, il y a les épaules larges, un peu, beaucoup plus larges que moi aussi, hein. Donc ce qui explique qu'ils prennent une prise un peu plus évasée. Mais bon, pour l'avoir fait avant, je peux vous assurer que c'est pas un exercice de tourpeau. Voilà, vous voyez bien le travail des biceps, hein. Donc Seb, il rigole pas, hein. Voilà, il contracte bien les abdos, on voit bien le boulot, on voit bien le travail de ses dorsaux, hein, qui sont contractés à bloc, hein. Voilà, allez, vas-y, Seb, hein. Allez, magnifique, hein, c'est magnifique, vas-y. Ah ouais, c'est super. Voilà. C'est ça, se donner à fond. Hein. Quand on fait un exercice, une petite pause. Voilà. Comme quoi, hein, quand on mange chie, il y a du résultat. Ah, tout à fait, ouais. Voilà. Ouais, c'est pas beau, ça. Ah, ça, c'est un 12. Regardez. Et ça fait des bouloges dans tous les coins. C'est magnifique. Ah, je manque bien. Ça, c'est parti. C'est un athlète. Développé avec Alter pour Laurent. On voit très bien le travail des deltoïdes.
à marquer le deltoïde antérieur, externe et postérieur ici. Il est très sec le rond là. Là il est. Il commence à super bien ciseler. Superbe. Yeah. Ses épaules monstrueuses. Bien, super. Bonne sensation. Okay. Je suis pour toi, Laurent. Voilà, donc développer. Développer avec halter. Donc là, nous, on cible vraiment l'épaule. Pas le haut, le pec, mais surtout l'épaule. Non. Et bon, en même temps, le haut de pec, il bosse, hein, de toute façon. C'est tellement un gros muscle, l'épaule. Voilà, on voit bien. On voit bien que l'avant de l'épaule travaille. C'est l'exercice maître parce que c'est un des seuls exercices qui permet de travailler l'ensemble de l'épaule. Voilà. Jumelé avec un. Après un relevé au menton. Et vous avez deux exercices qui sont hyper complémentaires, hyper efficaces. Voilà, donc c'est très très difficile. Ouais, très difficile. Rien n'en fait pas beaucoup. Les sensations, elles sont terribles par rapport à une barre, ce qu'on doit. Ouais. C'est vraiment un contrôle indépendant de la charge. C'est radical, il n'y a pas mieux. Super, ouais. Il y a pire. Voilà. Donc pour ceux qui font que de la barre au développé, essayez les haltères et puis vous nous en tirez des nouvelles. Ouais, vous faites une série à la barre et une série aux haltères. Et vous verrez la différence. Surtout qu'avec les haltères, vous prendrez certainement moins de poids aux haltères qu'à la barre. Mais vous travaillerez beaucoup plus. C'est parti maintenant pour le tirage au menton, toujours avec halter. Alors le tirage au menton, comme le développé avec halter pour épaule, est un mouvement de base également. Hein. Seulement ici, vous tirez et l'autre, vous poussez. Vous travaillez les mêmes muscles, mais de manière différente. Ici, l'accent est fort mis sur le faisceau latéral du deltoïde, ici. Celui qui donne de la largeur aux épaules. Et aussi pas mal sur l'arrière du deltoïde. Surtout quand on tire bien les coudes vers l'arrière. Le deltoïde antérieur est bien sollicité si vous montez vachement haut. En gros, les trois faisceaux travaillent et l'intégralité des muscles trapèzes, comme vous pouvez le voir. Et d'autres petits muscles de l'avant-bras, le long supinateur, etc. C'est un très bon mouvement. Très très bon. Laurent commence vraiment à bien sécher, mais quelque chose de bien. Vous voyez ici, on voit bien les terminaisons de trapèzes. Vous voyez, je vais encore rester une fois. Vas-y Laurent, refais le même. Regardez les trapèzes qui se noient dans les épaules. Ça fait des stries à ce niveau. Voilà. Et allez, hop, on le voit nettement. Voilà, il est superbe, il est sublime. Magnifique. C'est beau ça. Voilà, c'est bon Malout, très beau travail, mouvement bien fait, bien exécuté, non super sérieux, puis tu stries dans l'eau. Ah, voilà pareil, hein. Voilà, donc tirage avec halter, vous avez vu hein, quand il les ramasse, c'est pas parce qu'on ramasse les haltères que on fait pas attention à comment on se relève et comment on met son dos, hein. Parce que c'est quand on fait ça qu'on se pète le dos, la plupart du temps c'est pas quand on fait l'exercice. Voilà, donc là c'est ma. Voilà, donc un beau. Voilà, on appelle ça. On peut faire aussi tirage à la barre, hein, mais on préfère avec les haltères. Hein. C'est moins. C'est plus naturel. C'est un mouvement qui est beaucoup plus naturel. Une barre permet pas de la flexibilité au niveau du poignet. Donc, on est beaucoup plus à l'aise avec des haltères. Du coup, on peut aller beaucoup plus loin dans l'effort. Voilà, Seb il a des trapèzes qui sont monstrueux. Voilà. Voilà. On bosse l'épaule, mais moi je suis amoureux de son dos. Hein. Je veux le même pour Noël. Mais ça risque d'être difficile. Il va me falloir manger beaucoup de steak. De bœuf. Ouais. Voilà. Allez, le travail de son épaule. Voilà, c'est magnifique. Allez, c'est vas-y. Ah, c'est bien détruit. Voilà, c'est bien, on peut plus. Hein. Ben voilà, donc c'est une bonne séance. Le pire, c'est que ce que je lui ai pas dit, c'est qu'il nous en reste encore quelques-unes à faire. Voilà. C'est bien.
Avec les autres interne. Voilà. Allez, Laurent est parti. Pour un développé couché. Un développé couché. Un développé épaule. Maintenant plus léger, mais qu'ils vont enchaîner avec du tirage au menton. Vous voyez, comme je vous disais, qu'on voyait très bien ces dentelés. Ici, on les voit très bien. On dirait trois doigts. Voilà. Et bien sec. Bien, bien, bien. Ah, puisque j'adore, c'est ses épaules. Il a de belles épaules, Laurent. Et mine de rien, il commence à bien s'élargir, hein, vous voyez. On le voit, hein. Ah, il en veut, il y en a, hein, c'est tout, il n'y a pas de secret. Ouais, ses épaules. Ses faisceaux externes, ils sont assez fascinants. Il n'y a plus de graisse, il n'y a plus rien. Regardez, regardez. Maintenant, il va enchaîner avec un tirage au menton. Voilà. Ça doit vraiment pas être évident. Moi, je vais essayer de faire la même chose, tiens. Voilà, très bien. Il est magnifique. Sous cet angle-là, pense à bien lever tes coudes, l'eau. Là, tu fatigues. Hein. Même si tu montes moins haut, ouais, c'est bon. Ah, il en chie, hein, faut pas croire. Hein. On n'a rien sans mal, hein. Il n'y a pas de souci comme muscu. No pain, no gain. C'est bien l'eau, respire bien, souffle, inspire. Souffle, voilà. Pense à ça. Inspire. Souffle, contrôle ta respiration, ça te donne la pêche. Inspire, voilà, souffle. Toi, ça te redonne un rythme. Inspire, souffle. Voilà, c'est bien l'eau. Très beau boulot. Super comme enchaînement, c'est bien ça. Mais ça doit pas être facile. Non, c'est difficile. J'ai essayé de le faire. Ouais, normalement, c'est ce mouvement-là que je voulais faire. Ouais. Mais bon, malheureusement, il faut pas se casser la gueule au ski, parce que sinon, vous avez mal. Ouais, ça arrive, ça les joue. Et surtout, l'articulation d'épaule étant très mobile. Faut faire très attention. T'as raison, charge donc légère. Seb, et pas trop. Seb essaye mon exercice. Hein. Donc un développé enchaîné à un tirage au menton. Donc, c'est assez physique. C'est assez physique. Donc du coup, vous voyez, on a pris des haltères un peu plus légers. Hein. Parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de se brutaliser de toute façon. Vu qu'on travaille en intensité et qu'on est en sèche tous les deux. Hein, l'important c'est de brûler des calories tout en perdant pas la masse qu'on a pu accueillir pendant l'hiver en mangeant. Donc voilà, le but c'est pas de se baisser, hein. Surtout que notre corps là en ce moment il est en carence de calories, donc c'est vraiment pas le moment quoi. Voilà, donc c'est, vous voyez, même avec un poids plus léger, hein, après une bonne séance lourde, on a l'impression de soulever des tonnes et des tonnes. Voilà. Après Seb, il nous dira ce qu'il en pense, parce que là, il est en plein effort. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment bizarre. Un exercice un petit peu difficile, oh, parce que l'épaule, elle apprécie pas trop. On lui fait travailler un mouvement dans un sens, donc on mobilise le muscle pour une poussée, et derrière, on lui dit « Ouais, t'es malade ou quoi ?» Hop, et on lui refait faire un mouvement de traction. Oh, c'est beau, donc, ce que tu dis, Lolo. Il apprécie pas des masses, en fait. Hein. Voilà. Ouais. Fais le malin toi, fais le malin. Si tu sais rigoler, tu peux m'en faire 10 de plus. Allez. Ouais. Allez, vas-y, tape dedans. Hein. C'est bien. C'est tout ce que je peux faire. Fais attention à pas creuser ton dos, hein, quand tu te relèves. Parce que je vois que tu triches un peu là. Voilà. C'est bien. Ouais, mais je veux pas l'entendre. Si t'es fatigué, t'arrêtes. Plutôt que bousiller ton dos. Voilà, parfait. Vas-y, 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 vas-y. Ouais, c'est très bien ça. C'est magnifique. Très efficace ton truc. Ouais. Par contre, l'inverse, je pense que ça ne doit pas être faisable. Hein. Ben, il faudra qu'on essaye, mais à mon avis, c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est compliqué. Direct, hein. Ça. Voilà, ben, on peut vous le montrer peut-être. Ça claque. En fait, quand il parlait tout à l'heure du développé combiné tirage au menton. Mmh. Voilà. Donc, en fait, ouais, ben, il va le faire une fois. Hein, donc, c'est-à-dire qu'il monte, voilà, tirage au menton, et on développe. Donc ça, c'est ce qu'on peut faire quand on n'a pas de blessure à l'épaule. Voilà, et en fait, faut pas prendre des charges lourdes. Voilà. Parce qu'il y a un travail très important des rotateurs de l'épaule. Vous voyez ce mouvement-là, dans la descente, et ici, dans la montée. Voilà. Ouais, et puis Seb et moi, on a des antécédents avec les épaules. Fait, hein, c'est un très bon exercice de combiner le tirage au menton et le développer, ce que je viens de faire, avec des charges très légères en série très longue. C'est excellent pour congestionner les épaules. Ça, je vous le garantis. Ouais. Quitte à prendre des poids de 2 kg,
faites 50 reps, vous avez tout carbonisé. Okay. Et des rotateurs d'épaule, il en faut des bons. Et cet exercice-là, il s'en occupe très bien. C'est clair. Voilà. Bon, magnifique. Pour les épaules, ok. Allez. Ici, on va essayer de se finir sur les triceps. Aux fameuses dips. Cette machine a tendance à bien bouger parce qu'elle n'est pas très stable ici. Voilà. Là, pareil. Hein. Voilà. Vous voyez les dips, hein. C'est ce que je dis toujours. Hein. Les dips, ça travaille tout. Regardez son dos. Regardez. Ses muscles sont durs. Hein. En poussant. Vous voyez. C'est un mouvement formidable pour le buste. Tout entier, en fait. Il n'y a rien de tel que les dips. Je vais zoomer sur son triceps. Ah là, ça va être parfait. Regardez-moi ce triceps. Regardez-moi ça. Vous voyez la veine? C'est un vénard, on peut dire ça. On va regarder l'autre. Regardez ses triceps. Regardez ses triceps. Pousse. Vous voyez cette veine là, cette... Oui, c'est bon ça. Super. T'as bien bossé là. C'est dur. C'est dur après. Ah bah tu vas voir, tu vas halluciner. Et je tremblais à mort. Ouais. Je peux vous assurer qu'après la séance qu'on vient de faire, faire des dips, c'est pas de tout repos. Hein. Parce que tous les muscles qu'on bosse au dips, ils ont déjà bossé avec les tractions, avec les pompes, les airs, les développés haltères et tout. Que c'était une bonne séance bien dure. Donc là en fait on l'a fini. Hein. Voilà, regardez bien son le travail de son triceps. Impressionnant. Impressionnant. Voilà, regardez. Regardez comme ça bosse. J'espère que vous verrez bien avec le reflet de la lampe. Mais franchement, ça travaille super fort. Allez, Seb, vas-y. Oui, superbe, superbe. C'est difficile. Hein. Oh, c'est pire. Mais c'est difficile. Ah, c'est un très bon exercice. Travail des biceps. Voilà, donc on va aller choper. On va aller choper cette jolie barre. Yes. Et puis on va se finir. On va se finir les biceps là-dessus. Et ça clôturera la séance. Bien évidemment, on a fait du gainage avant pour les abdos, pour les abdos. Obliques. Mais ça, on les a pas fait ici. Mais ça, le gainage, je vous invite à aller sur le site de Seb, hein, vous verrez bien. Il y a des explications sur le gainage et les avantages à le faire. Quoi. Alors, travail intense maintenant des biceps aux tractions à amplitude réduite. Oui, c'est fait exprès. C'est parce que normalement, c'est une barre à poulie qui tourne sur elle-même. Comme ça, il n'y a pas de risque. Okay. Tu peux y aller. Voilà. Une main. Allez, fais-nous des petits boulolo. Deux. C'est bien. Bien. Je vais aller chercher son biceps. Voilà. Voilà, super. Vous voyez ses bras, j'espère. Normalement, on les voit là. Voilà, super long. Magnifique. Ça, c'est du travail. Oh, puis même le dos. Hein. Vous voyez, les tractions, ça a vraiment l'avantage de tout travailler. Hein. On dira ce qu'on veut. Regardez les strines en bas. Regardez les strines en bas de son dos. On les voit bien. Hein. On appelle ça l'arbre de Noël. Regardez. C'est hallucinant. Il est plein de stries. J'espère bien. T'as avec le mal que je me donne. Ça, et puis après, je vais aller vous montrer le travail de ses biceps. C'est ce que je voudrais lui vous montrer son dos. Voilà. Donc, le bas de son dos qui strie bien. Voilà, donc bon, là on n'est pas en train de bosser le dos, hein. C'est les biceps qui nous intéressent. Donc je vais mettre à sa hauteur. Voilà, essayer de vous montrer le travail de son biceps. Hein, qui est vraiment, là, c'est vraiment un travail en intensité. C'est extrêmement efficace. Alors je connais des mecs qui le font en début de séance, parce que ça demande du jus. Ça leur permet de chauffer leur dos, avoir une bonne séance de dos. Mais bon, Seb et moi, on préfère le faire en fin de séance. Ça permet de nous terminer comme il faut. Ah bah, tu m'étonnes. Et quand on a fini ça, ben, on a fini tout. Quoi. Regardez le biceps de malade qu'il a. Voilà, oh, c'est sûr. C'est du boulot. Ouais, c'est clair. Mais c'est quel résultat. Et quel plaisir. C'est un gros, c'est une histoire. Quel plaisir. Tout à fait. Mais c'est un plaisir. Voilà. Et il faut savoir que la muscu... À la base, on la fait pas pour les autres, c'est pour nous. Non, non, moi, c'est pour se sentir dans sa, bien dans sa peau. Voilà, quoi. Encore rien. Bah, mais c'est rien. Vas-y, hein, fais-toi plaisir. On a fini. Sandrine, elle va m'engueuler. On a fini. En même temps, pour les gonzesses. Bah, c'est pas mal aussi, j'avoue. J'avoue. Ouais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux. On se refait on pas. Est casé, on est casé. Ouais, on est des je mecs. Suis un homme fidèle. Voilà.
Ouais, c'est vrai, fidèle, une femme à la fois.